On a commencé avec gamme Ré majeur. Premièrement, on a mis Menou sur ce cinquième casier. Ok? On a commencé. Je vais mettre le premier menou dans le deuxième casier, deuxième menou dans le troisième et dernier menou dans le deuxième. Et puis nous quitter ça libre. Ok, c'est. Donc, à trois notes, nous avons fait en musique, nous avons composé, nous avons accompagné. Nous avons accompagné n'importe qui bagaille. Et nous avons fait. Nous allons passer dans la deuxième session là, pour nous voir. Comment m'a utilisé notre salle. Notez bien, solo ça me fait, c'est sous gamme Ré majeur que me fait. C'est pas retiré. Toute note que j'utilise dans solo ça, c'est une note qui est en gamme Ré majeur, qui est en gamme que je t'ai montré, qui c'est. Donc, il est très important pour nous connaître la gamme. Lorsque nous connaissons la gamme, nous pouvons créer n'importe solo avec même note ça. C'est-à-dire que la gamme nous aide, en d'autres sortes, et fait choix de notes lorsque nous faisons un solo sur n'importe qui accord que nous jouons.